Fuck!
Écoute, tu vas pas nous faire perdre la 4 fois 10 mètres, concentre-toi, gars, concentre-toi. Si vous savez où trouver un attaquant comme moi, les gars. Renaki, entre-nous. Mec, bonjour mec. Quelqu'un a un problème? Hein? Quelqu'un a un problème? C'est marrant, j'entends rien là. Hein? Hein? Ouais, c'est toi notre problème, Cook. Tu vois pas le bordel que tu fais autour? Ouais, c'est clair. Y a ces jeunes qui ont envie de s'amuser. Et nous aussi. Tout ce qu'on fait, c'est changer des balles avec un malade mental qui parle tout seul. T'as pensé aux enfants, mec? Quand il essaye pas de nous casser la gueule. Casse-toi maintenant, mon gars. Casse-toi. Comme ton enfoiré de père. Un vrai psycho. Qui a dit ça? Hein? Qui a dit ça? C'est pas pour moi.
Salut Tim. Ça va Jimmy? Les nouvelles sont bonnes? Oh, comme d'habitude. Mon frère est déjà installé au stand. Là, je le rejoindrai plus tard. J'ai pas mal de lecture, tu sais. Ok, à plus les jumeaux Tim. T'abîmes pas les yeux sur toi. Hey, Jimmy! Jimmy, attends! T'as un moment? Salut, Griff. Dis-moi, pour les deux combats de demain soir. Carter tombe KO au second round, Mike s'allonge au sixième. Ok, ok. Bon, cet après-midi, je me rends à l'International Club de Golf. Il paraît qu'il y a un paquet de fric à se faire là-bas. Attends, attends, je t'explique. Jimmy, tu m'as entendu? J'ai dit un max de thunes! Un max de thunes! Alors? Vent sur 2,6 nœuds. Attends, je note. Vent sur 2,6 nœuds en provenance du nord. Parie surtout pas sur Fred Alonso, qui s'est fait opérer des yeux la semaine dernière et il ne supporterait pas l'air frais ni le temps d'aujourd'hui. Et pour Dreyfus? Dreyfus serait pas repéré un trou à moins de 2 mètres, Griff. Mais en fait, tu connais ce nouveau jeu là? Ouais, le Diamond Fall. Beaucoup de gars hyper cool, tu sais. Fais gaffe. C'est pas grave, tant que t'es dans la cour, tu crains rien, non? Bon, on est d'accord. Donc je place 6 jetons verts sur Wallace et relance de 21 noirs son globe. C'est ça, Jimmy? Tiens, c'est Jimmy, ça pourrait être très fine. Attention. Oui, c'est ça, Griff. Une dernière chose, Jimmy, s'il te plaît. Très vite. Dans 2 heures commence la course au Speed Stadium. J'ai tout misé sur Flamboyant. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûr de mon clip. J'ai misé sur Tonnerre, alors Jimmy, fais pas le con. Dis-lui de rester sur ce nas de Flamboyant, ok? Je t'en vendrai ça. Flamboyant? Super choix, Griff. Ok, Jimmy, c'est noté, à plus tard, je fonce. Ouais, c'est ça. Merci, Jimmy. Wow! Hey Alfred, mon vieil ami, ça me fait un bail. Ça roule ou quoi? Hey, je peux savoir de qui tu parles, Alfred? Ciao, Alfred. Et pense à arrêter de respirer nos foutus insecticides. Ça déraille un tout petit peu là-dedans. Allez, Alfred. Ciao. Il est passé par où le mec avec le gant? Tu me parles de Jimmy? Il est rentré chez lui déjà.
T'en sais plus que ce que tu me dis. Les Yukai, t'en connais des tonnes. Aide-moi. T'as voulu me tuer? Les gens me prennent pour un malade et maintenant quoi? Hé, hey, t'as entendu comme moi là, non? Elle veut que je l'aide? Va te faire voir. Alors aide-les! Ah, tu me parles du vieux avec son gamin près du terrain? Ce que tu suis comme une petite folle paranoïaque. Je sais pas ce qu'ils ont comme problème et je veux pas le savoir. Regarde-moi bien, ma belle. Non. Aider les autres, ça non! De la part d'un humain, ça serait trop généreux. Ce que j'ai déjà fait pour vous ou pour les humains peut même pas traverser l'esprit. Écoute, je vois que t'as l'air de bien aimer le petit. Retourne les voir, protège-les, mange-les, fais ce que tu veux avec. Mais laisse-moi dehors de ça. Vous feriez mieux d'abandonner, jeune fille. C'est un héros en fin de course. Il ne vous sera d'aucune aide. N'est-ce pas, Cook? Désolé, Jess. J'ai pas d'excuses pour aujourd'hui. T'as toujours pensé que j'étais pas sincère avec toi. T'as raison. Joyeux anniversaire, Jess. Restez ouverte. Le temps se rafraîchit, tu sais. Faut pas qu'elle frappe froid. Bonne nuit, ma chérie. À demain, papa. À demain.
régler le problème comme on peut. Si je suis tout emmerdé. C'est pour trouver le futur. À quoi peut bien ressembler ton groupe, ton monde des Yokai? Parce que le fouteur de merde, c'est sûrement lui. Oh, t'avais raison. Le futur, c'est quoi? C'est moi cette fois le tableau. On va s'envoyer tous les deux. Je vais te lâcher dans le vide. Espérons que tu brises le coup. Si je connais un braquet là pour ma bonne venue, je partirai avec mon gosse au Bahamas. Fin de l'histoire, t'es heureux, t'es prêt? Non! T'es résistant? Un vrai parasite? C'est admirable! C'est pas une bonne morale qu'il te faut, mais une bonne correction! Je t'en prie. Tu parles de protéger les tiens. Mais dis-moi où est ton fils. Tu t'es pas rendu compte qu'on est même plus dans la même ville. Tu l'as? Tu l'as? Elle est toujours avec lui. Ça change rien. Et ton fils peut pas la voir. Tout ce qui lui reste en tête, c'est son père en train de tout défoncer là pour prendre seul dans la rue. C'est cool ça, hein? Bon vieux comportement de super-héros. Cela te vend beaucoup mieux. Et c'est aussi ce que je cherche à dire depuis un bon moment. Je peux pas laisser le petit comme ça, tu sais. T'inquiète, elle gère. On règle ça. Et on se casse. Allez les gars, allez, reculez-vous, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous qui êtes là, monsieur? Oui, je les ai prévenus. Vous allez finir par lâcher. Tout ce qu'on veut, c'est notre couche. Attrapez-le. Thank you.